Bonjour à tous, c'est Laurent du site l'informatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce tutoriel est destiné aux tout débutants en informatique. Je vous propose de découvrir ensemble comment paramétrer votre clé USB. Petit avertissement avant de mettre votre clé USB. Donc, ne pas confondre le port HDMI avec le port USB. Donc ils se confondent un petit peu, mais alors le port HDMI est légèrement en losange, alors que le port USB, il va être en rectangle. Et puis vous avez aussi les nouveaux ports. Mais celui-là, il n'y a pas moyen de confondre. C'est le micro port USB-C. Je vais maintenant connecter ma clé USB à mon ordinateur. Alors, généralement, la marque de la clé vers le plafond. Je vais maintenant aller dans l'explorateur de fichiers et on va aller sur ce PC et ici j'ai ma clé USB qui s'appelle Kingston. Donc là je vais faire un clic droit dessus, je vais aller dans afficher plus d'options et je vais aller dans renommer. Je vais lui donner un nom, par exemple là, je vais lui donner le nom de Laurent. Ce sera plus facile à repérer ma clé USB lorsque j'irai chez quelqu'un d'autre. Voilà, votre clé est renommée. Donc si je referme, on revient sur l'explorateur de fichiers. Je viens sur ce PC et j'ai ma clé USB Laurent. Alors maintenant, on va faire en sorte qu'elle s'ouvre automatiquement. Donc ici, je vais faire un clic droit dessus. Je vais aller dans Afficher plus d'options. Et ici, je vais faire Ouvrir la lecture automatique. Ici, je vais sélectionner Ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Voilà. Je referme tout. Je vais éjecter ma clé USB. Je vais faire éjecter. Maintenant, je vais réintroduire ma clé USB sur mon ordinateur et automatiquement la clé USB s'ouvre. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt!